c'est une campagne de financement qui est au niveau national, donc à la grandeur du Québec, entre un organisme qui s'appelle Banque alimentaire Québec, qui régit l'ensemble des banques alimentaires dont le collectif alimentaire fait partie, et la Société des alcools, dans le fond. Concrètement, c'est quoi? C'est pendant 3 jours, donc du 4 au 6 mai, chaque personne qui va se rendre à la SEQ pour acheter une bouteille de vin blanc, dans le fond, va voir 1$ remis par bouteille de vin blanc vendu. Donc, la SEQ va remettre 1$ par bouteille de vin blanc vendu à Banque alimentaire Québec et qui, lui, va s'assurer de ensuite redistribuer les argents ramassés au sein des 30 organisations comme nous qui faisons du dépannage alimentaire et qui sont membres de Banque alimentaire Québec. Ça, c'est-tu la première année ou ça existe depuis quand même un bout? Ça fait quand même un certain temps que ça existe et bon an mal an, ça nous permet d'aller chercher les sous qui nous permettent qui constituent une bonne part du budget qu'on a pour faire les achats, pour compléter en fait là, les paniers alimentaires qu'on offre aux gens. Il y a beaucoup d'aliments comme des viandes, des légumes qu'on récupère en supermarché. Mais d'autres produits, comme des produits laitiers, par exemple, qu'on doit acheter. Donc, c'est beaucoup de sous à chaque semaine investi là-dedans. Et pour le collectif alimentaire, ben, pour un budget de dépannage qui est au-dessus de 10 000 $, ben, ça nous permet d'aller chercher une part importante de ce budget-là. Banque alimentaire Québec a comme un barème qui dit combien est-ce que les organismes ont droit. Pour le collectif alimentaire, c'est 1%. Ça peut paraître beaucoup, mais dans les 30 membres affiliés, il existe, comme dans les grands centres, des moissons, Moissons Québec, des Moissons Montréal, qui vont chercher un bon pourcent. Mais compte tenu de notre grosseur, du territoire que l'on dessert, le 1%, est quand même un nombre, un montant là, assez important là, pour notre toute proportion gardée là, pour notre réalité. Nous, à chaque année, c'est environ 350 dépannages alimentaires qui sont faits. Il faut comprendre que quand on parle de dépannage, on parle de grandes boîtes, style les caisses de bananes à l'épicerie, qu'on remplit de nourriture là, soit récupérée, soit achetée, mais on fournit un petit peu de canage, mais surtout beaucoup de produits qui sont quand même sains, qui sont encore nutritifs et qui sont quand même bons, même si c'est des produits récupérés en supermarché. Au collectif alimentaire, on est situé, nous, à Percebiac, puis on dessert tout le territoire entre Saint-Siméon et Port-Daniel. Les gens peuvent venir nous voir directement les jours de semaine, entre 9h et 16h30, pour offrir des dons matériels, des dons de nourriture. Sinon, si les gens veulent contribuer en argent, bien, la campagne SEQ, la campagne avec le financement, permet aussi, du 4 au 13 mai, aux gens de faire un don pour les gens qui vont aller en succursale SEQ s'acheter du vin après le 6 mai. Il sera possible pour eux de faire un don aussi en argent pour leur banque alimentaire locale.